Bonsoir, peuple de Dieu, bonsoir, frères et sœurs en Christ. C'est vraiment encore une fois avec une grande joie qui nous rencontrons nous ce soir pour le Healing Service. Et sur cette plateforme, vraiment, nous remarquons Jésus dans le nom de Jésus. Et ce soir, bon, vraiment, et dans la joie pour qu'il nous capable de prier ensemble avec eux, écoute la parole de Dieu et passe un moment dans la louange, adoration aussi. Et vous savez comment dans Psaume 28, le verset 7, il dit: The Lord is my strength and my shield. Tu connais que le Seigneur dit que le Seigneur est ma force, il est mon bouclier. Et que my heart trusts in him. Et c'est en lui mon cœur se confie. Que ce soit nous capables de dire que l'Éternel est ma force. Que l'Éternel est mon bouclier et c'est en lui que mon cœur se confie et je suis secouru. Alors, que ce soit que peu importe ce qui se peut traverser, même en vie qui nous capable et n'a cette foi pour dire que l'Éternel est ma force. Que nous ne pas laisse-nous abattre par les difficultés de la vie, par la maladie, par des choses qui parfois viennent déranger nous la vie. Mais qui nous capable avec ça, la foi qui nous est là en Jésus-Christ, nous dire que l'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur nous peut confier nous-mêmes en ce Dieu et que nous dire en nous-mêmes, mon cœur se confie en l'Éternel et je suis secouru. Alléluia. Moi, vraiment, invite avant qu'il nous rende dans la louange, adoration, qu'il nous capable place ce temps, que vraiment nous confier. Ça, les temps-là, ensemble, qui nous pour passer dans la main du Seigneur, que nous réaliser que nous sommes rien, mais que Dieu est tout, que sans lui, nous sommes rien. Alléluia. Là, que nous était, qui nous capable baisser la tête, nous vraiment nous prier, nous dire le Seigneur, prends place. Alléluia. Papa, ce soir, nous disons ta merci. Merci pour cette grâce qui te fait nous, qui nous capable prier ensemble, nous capable louer toi, nous capable écoute la parole de Dieu ensemble, même Seigneur à distance. Mais toi, mon connais, Seigneur, te trouve chacun d'entre nous, te connais exactement que nous situer, que nous étions là en ce moment ce soir. Mais j'ai envie de dire à toi ce soir que tu es notre force, tu es notre bouclier, et c'est en toi que notre cœur est confié. Et que Seigneur, j'ai envie de dire à toi que nous connais, qui nous est secouru pour toi. Seigneur, ce soir, nous remettons ce temps qui nous peut passer ensemble dans ta main. Que Seigneur te pour intervenir, te pour toucher les vies, qui te pour là avec nous, t'entendre le cri de tes bons enfants. Et Seigneur, qui toi te dire, Seigneur Dieu, qui quand nous crions vers toi, t'écouter et te répondre, Seigneur. Papa, nous croyons que tu es un Dieu qui content ce peuple, qui content, Seigneur, ton Église. Et Seigneur, nous prions que ce soir, Seigneur, tu aies un regard spécial. Tenez un regard, Seigneur Dieu, cherche chaque personne qui peut connecter, Seigneur, qui l'a, Seigneur Dieu, mardi après mardi, qui est fidèle, Seigneur Dieu, dans ce live. Et Seigneur, moi, prier ta bénédiction, moi, prononce ta bénédiction, cherche chaque personne, Seigneur Dieu. Et Papa, nous place ce temps dans ta main, nous prier, Seigneur Dieu, que c'est toi, le nom de Jésus qui peut être élevé et que le nom de Jésus soit béni. Alléluia. Papa, nous disons merci pour cette grâce. Merci pour l'amour que tu as pour chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir, Père de Dieu. Donc, comme d'habitude, nous passons un moment de praise and worship. Et avant de commencer, j'ai envie, cher, qui. Comme je repense à son histoire, j'ai vraiment senti qu'il nous a élevé le nom de Jésus, le Seigneur Jésus. Et je connais la Bible chez nous qui, dans Philippiens, chapitre 2, verset 9 à 11, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc ce soir, laisse-nous vraiment célèbre le nom de Jésus, laisse-nous vraiment élève le nom de Jésus au-dessus du mal tracas, au-dessus du mal problème, au-dessus du mal maladie. Laisse-nous vraiment trouve
L'ami bon Dieu travaille ce soir. Amen. Et la Bible est dans Romains, chapitre 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ce soir, nous avons la victoire en Jésus-Christ. Nous avons la victoire parce que Jésus-Christ signe la victoire. Amen. Et si nous chantons le chant, je me réjouis. Amen. Ancien envie, élève ton nom, Seigneur. Envie de glorifier ton nom, Seigneur, exalté ce nom, Seigneur. Le nom, Seigneur, de Jésus, Seigneur. Le nom de Dieu, de tout nom, Seigneur. Merci, Seigneur, un Dieu, Seigneur, qui est bon, Seigneur. Un Dieu, Seigneur, qui est glorieux, Seigneur. Un Dieu qui est kind, Seigneur. Un Dieu, Seigneur, qui entend la prière, Seigneur, devant nos enfants, Seigneur. Seigneur, vraiment, te paye, écoute, Seigneur, les cris, Seigneur, devant nos enfants, Seigneur, ce soir, Seigneur. Ceux, Seigneur, qui donnent problème, Seigneur, ceux qui donnent fracas, Seigneur.
Oui, c'est un Dieu, c'est qui t'a rendu, Seigneur. Et merci, Seigneur, qui est en toi, Seigneur, la victoire, Seigneur. Oui, c'est en toi, Seigneur, la victoire, Seigneur.
Jesus, name above all names, King of all kings, Lord of all lords. Oui, Seigneur, ce soir, Seigneur, adore ton nom, Seigneur. Le nom au-dessus de tout nom, Seigneur, le King of all kings, the Lord of all lords. Seigneur, le nom, Seigneur, à qui, Seigneur, tout genou, Seigneur, fléchit, Seigneur. Que de la terre tremble, Seigneur, à ton nom, Seigneur. Que tout mal problème, Seigneur, que tout mal tracas, Seigneur. Ce qui n'a pas de l'effet, Seigneur, à ton nom, Seigneur. Que, Seigneur, quand nous sommes à ton nom, Seigneur, que nous fait changer, Seigneur. We lift your name, Jesus, we lift your name high, Lord. Merci, Seigneur, alléluia. Merci de gagner la victoire, Seigneur, pour nous, Seigneur. Et qui en toi, Seigneur, là, nous refuge, Seigneur. Alléluia, nous retenons, Seigneur. Such a beautiful name, Lord, such a wonderful name, Lord. Merci, Seigneur, nous comptons toi, Seigneur. Nous comptons toi, Seigneur Jésus. Alléluia, merci, Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Amen. Mes chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Vous saluez tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci pour tous ceux qui à l'écoute ce soir et pour tous ceux qui vont donc joindre nous plus tard sur Facebook ou sur YouTube à l'île Maurice, dans tous les différents coins de l'île Maurice, à Rodrigue et dans beaucoup d'autres pays à travers le monde. C'est vraiment un plaisir pour moi pour être ensemble avec vous pour ce healing service, comment selon dire, c'est un service que nous prions pour les malades. Nous sommes pas malades de différentes manières. Parfois, c'est dans nos corps, parfois, c'est dans nos âmes ou dans nos esprits. Mais nous connaissons que quelle que soit la maladie, nous, bon Dieu, il est l'Éternel qui guérit, le Jéhovah Rapha. Ce soir, on commence un sermon en deux parties sur le sang de Jésus. Ce sang précieux de Jésus-Christ qui fait d'être versé sur la croix du calvaire et a une puissance extraordinaire dans la vie de tous les croyants. Et donc ce soir, nous pouvons guetter un coup dans cette première partie. Le thème, le sujet de ce sermon, c'est comment appliquer le sang de Jésus. Et nous tous nous connaissons, frères et sœurs, que le sang de Jésus, c'est le sang du Fils unique de Dieu. Ce sang qui, 2000 ans de cela, fut être versé sur la croix du calvaire. Mais ce soir, il est important tout d'abord de nous réaliser que déjà l'Ancien Testament, tu déjà peux prévoir, tu peux parler du sang de Jésus qui pourrait être déversé. D'ailleurs, quand on lit dans Lévitique, au chapitre 16, versets 14 et 19, nous trouvons cela, Lydia, il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt sept fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il parle de la cérémonie qui est normalement déroulée
le jour de l'expiation, the day of atonement. Et bon Dieu, tu peux déjà dire qui, prenant le sang de Jésus, il peut être aspergé 7 fois. Le sang de Jésus, il peut être aspergé 7 fois. Et ce soir, nous pourrons retracer dans les évangiles les 7 fois que le sang de Jésus finit aspergé, finit être déversé pendant sur la vie, l'eau sur la terre. Tout d'abord, quand nous lisons dans les évangiles, nous arrivons dans le jardin de Gethsémané. Dans le jardin de Gethsémané, c'était un jeudi soir, notre Seigneur Jésus, avec ses 20 disciples, fit une retraite dans le jardin de Gethsémané pour prier. Et la Bible dit que Jésus-Christ, il peut prier avec vraiment beaucoup d'intensité. À un moment donné, il était vraiment en agonie dans la prière et sur la sueur, il commence à une goutte de sang. Luc, au chapitre 22, verset 44, il dit, étant en agonie, il priait plus instantanément et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Donc, c'est la première fois, nous trouvons donc comment le sang de Jésus finit d'asperger. Donc, c'était dans le jardin de Gethsémané que sur la sueur, tu commences à un grumeau de sang. Ensuite, quand on a fini d'arrêter Jésus-Christ, ils ont fini d'amener à la maison du grand prêtre. Et là, Zephine commence à abuser de Jésus. Zephine commence à battre le sauvegir. Et cela finamène le sang. Nous lisons là-dedans dans Matthieu, chapitre 26, verset 67. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et ils lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, je tape les coups de poing, etc. Et le sang de Jésus fin couler. Et à un moment donné, ils ont tellement maltraité Jésus-Christ qu'ils ont fin commencé, comme se dirait, retire le poil de sur la barbe. Et par conséquent, le sang fin couler. Quatrièmement, ils ont fin ensuite amène Jésus vers Pilate. Et Pilate, il prend la décision pour battre Jésus avec de verges. Alors Pilate le relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Là, il est important qu'il nous réalise qu'à l'époque romaine, la manière que tu peux battre un prisonnier, ces verges, c'était des lanières de cuir. Et dans sa lanière de cuir-là, Tina ban morceau de l'eau, un eau pointe, et Tina aussi ban morceau de métal, de sorte que lorsqu'ils fouettent le corps de Jésus, ça ban métal là, ça ban l'eau là, tu peux lasser la peau de Jésus, tu peux vraiment couper de sa peau et du sang, tu peux couler 4e fois le sang de Jésus, les pères perchés. Et après, Zephine moque Jésus. Parce que je dis que Jésus-Christ peut dire c'est lui, un des rois. Zephine décidé pour faire une couronne d'épines. Une couronne d'épines qui Zephine enfonce dans sur la tête. Jean chapitre 19, verset 2, il dit que les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Il le revêtit d'un manteau de pourpre. Ici, il dit, je pose l'eau sur la tête, mais dans d'autres versions, nous trouvons que non seulement je fais une pose l'eau sur la tête, mais je fais une enfonce cette couronne d'épines l'eau sur la tête. Et c'était des épines très, très longues et très, 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 très futées, de sorte que ça les enfonce sa couronne d'épines là, dissant, commence à perler tout le long du visage de Jésus-Christ. Ça dit son âme, il descend l'eau sur la figure, il descend l'eau sur la barbe, frères et sœurs. Ce sang de Jésus
pour la cinquième fois, fut net aspergé. Ésaïe, chapitre 52, verset 14, donne-nous une description de cela. Ésaïe 52, 14 prédit à l'Éden de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi. Là, il peut prédire la crucifixion de Jésus. Il dit tant son visage était défiguré, tant son aspect différé de celui des fils de l'homme. Ça tellement un dissent fait une coulée, une couvée sur la tête, ce figure, sur la barbe, qui c'est comme si dirait ce figure fait une défiguré, frères et sœurs. Sixième fois que le sang de Jésus fait être aspergé, c'est comme on a fait une couloutli pour la croix. Nous lisons dans Matthieu au chapitre 27, verset 35. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements. La crucifixion à l'époque de Jésus, c'était qu'ils étaient en terre, ils mettent Jésus sur la croix, une croix en bois, et ensuite ils ont fait une couloute, ban coulou, que de se dé la main et que de se dé les pieds. Et là, ils renfoncent sa couloute-là, bien sûr, disant l'hyperler, depuis se dé la main et disant l'hyperler, depuis se dé les pieds. C'était la sixième fois que le sang de Jésus fut être aspergé. Et finalement, après que Jésus-Christ fut mort, un soldat fut transpercé ce côte avec une lance. Et la Bible dit que le sang et l'eau fut sorti. Dans Jean chapitre 19, verset 34, il dit: mais un des soldats lui perça le côte avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Et là, nous trouvons, c'est comme si dirait les sept fois que le sang de Jésus finit aspergé. Cela, tu prévois, tu prédis dans le texte de l'Ancien Testament de Lévitique au chapitre 16. Et nous trouvons cela accompli dans les évangiles, que nous trouvons que sept fois le sang de Jésus fut net aspergé. Et c'est sept fois que le sang de Jésus fut net aspergé pour conduire nous à comprendre comment, de cette manière, le sang de Jésus pour travailler dans la vie des croyants. Ça, nous pouvons garder pour la prochaine fois, que nous pouvons guetter un coup de comment le sang de Jésus, et dans cette manière, comment le sang de Jésus peut travailler dans la vie du croyant. Mais aujourd'hui, donc, nous pouvons essayer de comprendre vraiment la signification de ce sang de Jésus. Et dans le livre de Lévitique, au chapitre 17, verset 11, nous trouvons ce texte tellement important. Il dit car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est une prophétie de l'Ancien Testament qui parle de ce qui peut arriver sur la croix du calvaire. L'âme de la chair est dans le sang. La parole de Dieu dit à nous que l'âme de la chair est dans le sang. La vie est dans le sang. Life is in the blood, frères et sœurs. Il dit comme cela, je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Ésaïe, chapitre 53, verset 12, lit de nous cette image prophétique, de l'expiation. Et Ésaïe, elle dit comme cela,
C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Le mot anglais est beaucoup plus clair. Il dit « He poured out his soul unto death ». Comment il fait une livrerie à la mort? C'est à travers son sang. L'âme est dans le sang. Et Jésus-Christ, les fines, en quelque sorte, livré lui-même comme un offertoire pour nos péchés, a sin offering pour le péché de toute l'humanité. Et Jésus-Christ, son âme, il prend nos places sur la croix du calvaire. Ce matin, ce soir, nous pour comprend tout d'abord le verset de l'Apocalypse au chapitre 12, verset 11, comme une introduction à ce que nous pouvons comprendre concernant le sang de Jésus. Apocalypse chapitre 12, verset 11, il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Frères et sœurs, nous devons comprendre que dans les derniers temps, Pouena ban conflit. Ban conflit côte, premièrement, le ciel et la terre ne pour être engagés. Ban conflit que ban ange de Dieu ne pour être engagés. Ban conflit que le Satan et que ce ban démon pour être engagé. Ban conflit que le peuple de Dieu, les croyants, pour être engagés. Mais nous remercions mon Dieu qui la victoire n'est fini gagnée. La victoire n'est pour elle à Dieu et à son peuple. Et ce passage de l'Apocalypse au chapitre 12, verset 11, lui décrire ce que le peuple de Dieu, le rôle que le peuple de Dieu peut jouer dans la victoire. Frères et sœurs, nous tous, comme chrétiens, nous avons un rôle pour jouer, pour que la victoire soit totale et pour complète. Et là, ce texte, il parle de un ange qui peut dire cela, il dit, ils l'ont vaincu. Ils, ce sont le peuple de Dieu, les croyants, les chrétiens nés de nouveau. Ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu Kisena. Ils ont vaincu le Satan. Donc, le peuple de Dieu fait vaincre le Satan. Là, nous trouvons qu'il y a un conflit, une bataille directe entre le peuple de Dieu et que Satan n'a pas aucun intermédiaire entre nous, le peuple de Dieu, et Satan. Nous voilà dans un conflit et une bataille directe. Et dans cette bataille directe, comment est-ce qu'il nous peut vaincre le Satan? Comment est-ce que le peuple de Dieu, comment est-ce que les croyants nés de nouveau pour vaincre le Satan? Et la Bible donne nous comment nous pouvons gagner la victoire. C'est par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage, c'est à travers cela qu'ils nous pour gagner la victoire directement sur le Satan, parce que dans un conflit, une bataille dans les derniers temps, frères et sœurs. Mais en même temps, il décrit à nous qui qualité, quelles sont les personnes qui pour gagner la victoire. Ce sont des personnes, la Bible dit, qui n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voilà les personnes qui, pour gagner la victoire sur le Satan, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, ce sont des personnes qui, parfaitement contents de la vie, jusqu'à craindre la mort, frères et sœurs. Et nous essayons de comprendre un peu. Qui ça veut dire qui n'est pas content de la vie jusqu'à craindre la mort?
Ce que cela veut dire, c'est que la priorité numéro un dans la vie, ce n'est pas pour rester vivant. La priorité numéro un dans la vie, c'est pour faire la volonté de Dieu. Qui est pour rester vivant ou pas, les secondaires. Les secondaires, frères et sœurs. Rester vivant ou pas n'est pas la chose la plus importante pour ces chrétiens qui pour gagner la victoire à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Le plus important pour ces chrétiens, c'est pour être fidèle au Seigneur et faire la volonté de Dieu. Je connais souvent des fois, nous parle d'être, qui nous a être des soldats. Nous sommes des soldats de l'armée du Christ. Mais ce qui nous besoin réaliser, c'est que quand nous guettons l'armée, quand nous guettons un soldat, aucun soldat, quand il rentre dans l'armée, il ne demande pas au commandant, il dit au commandant, mais donne-moi une lettre qui garantit moi qu'il ne m'a pas pour mort dans la guerre, dans l'armée. N'a pas aucun soldat qui, quand il rentre dans l'armée, il a une garantie qui jamais n'est pas pour mort. Au contraire, un soldat, quand il rentre dans l'armée, il connaît qui est capable de mourir un jour. À n'importe quel moment dans la bataille, il est capable de perdre sur la vie. C'est ça un soldat. Un soldat n'est pas gagné. Garantie qu'il jamais ne va mourir. Aucun soldat ne va gagner sa qualité garantie. Mais c'est la même chose dans l'armée de Dieu. Dans l'armée du Seigneur, c'est la même chose. Nous n'avons aucune garantie qu'on ne peut faire la volonté de Dieu qui nous pas pour mourir, nous pas pour, comme si on dirait, perdre nous la vie. Le peuple que Satan perd, laisse-moi dire cela. Qui c'est là qui Satan perd? Satan, il perd les personnes qui ne perdent pas pour mort, pour donner la vie en faisant la volonté de Dieu. Voilà les personnes que Satan gagne perd. Satan perd les gens qui sont disposés à faire la volonté de Dieu, même s'il y en a pour mort, ben c'est pour mort. Parce que, en finalement, quand nous basons bien, la vie est courte. Personne ne va pouvoir vivre éternellement sur la terre. Et ce serait vraiment dommage qu'il nous s'aille, comme si dirait, préserve-nous la vie pendant quelques années, là, la terre est perdue toute une éternité de gloire dans le royaume de Dieu. Ce qui nous besoin de dire comme un chrétien, c'est que la chose la plus importante dans nous, la vie, c'est faire la volonté de Dieu. C'est ça la chose la plus importante dans nous, la vie. Perdis-nous la vie en faisant la volonté de Dieu, c'est une affaire secondaire. Et nous dire dans 1 Jean, au chapitre 2, verset 17, nous dire ces paroles. Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà, frères et sœurs, voilà la clé. C'est quand nous faisons la volonté de Dieu, nous pouvons demeurer pour l'éternité. Je connais quand nous unissons nos volontés à la volonté de Dieu et qui vraiment nous engager pour faire l'œuvre de Dieu, personne n'est pas capable d'amener nous dans la défaite. Personne n'est pas capable d'amener nous en bas. Nous sommes des personnes qui, we are unsinkable, undefeatable, unshakable. Personne n'est pas capable de nous. Quand nous identifions nous-mêmes à la volonté de Dieu, qui nous vive physiquement ou bien qui nous parle, qui nous mord, les secondaires, frères et sœurs. Maintenant, que ça veut dire que nous pouvons vaincre le Satan par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Vous pensez que ce que cela veut dire?
ce qui nous peut vaincre le Satan, quand nous témoignons personnellement ce que la parole de Dieu lui dit, l'eau s'acquit le sang de Jésus, les faire. Nous pouvons gagner la victoire sur le Satan quand personnellement nous témoignons ce que la parole de Dieu lui dit à nous sur ce que le sang de Jésus est capable de faire pour nous. Quand on retourne à l'Ancien Testament, dans ce qu'il appelle « the Passover ceremony », cette cérémonie de Passover de la Pâque juive. Dans cette cérémonie, bon Dieu, à travers le sacrifice d'un agneau, Dieu donne une protection à son peuple Israël. À travers le sacrifice de l'agneau, Dieu donne une protection au peuple d'Israël. Mais seulement le peuple d'Israël pour gagner sa protection. Hein? Il y a certaines choses que tu as besoin de faire avec l'agneau et il y a certaines choses que tu as besoin de faire avec le sang de l'agneau pour gagner cette protection. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17, verset 7, nous guettons écoute. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Il dit comme cela, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Il dit que Jésus-Christ est notre Pâque. En français, il dit notre Pâque. En anglais, il dit Christ, our Passover. Passover, quand l'ange de la mort il passe là-haut dessus. Christ, our Passover, il fit naître sacrifié. Le Passover dans l'Ancien Testament, c'est vraiment une image de ce que la mort de Jésus n'est pas accomplie pour nous sur la croix. Jésus est le Passover Lamb, l'agneau de la Pâque, la Bible dit, et qui est vraiment qui donne nous la rédemption. Cependant, c'est vrai que ce n'est pas le sang d'un animal qui vous protège nous, mais c'est le sang du Fils de Dieu, l'agneau immolé, qui vous apporte nous la protection et la rédemption. Mais ce qui nous capable d'apprendre, c'est dans la manière qui bon Dieu te dit comment le peuple juif, comment vous avez besoin de faire quand vous pouvez tuer l'agneau de Pâques, et comment ce besoin asperge, se disant, etc. Il donne nous un pattern, un modèle de comment est-ce que nous aussi, nous sommes capables d'appliquer le sang de Jésus, l'eau, nous la vie, frères et sœurs. Une des affaires qu'il nous trouvait, c'est qui? Le chef de la famille, le papa, de chaque famille juive, il y a un grand rôle pour jouer. Et tu besoin prend un agneau et ensuite, les Tibisains sacrifier cet agneau. Et là, nous trouvons que les Tibisains, les sacrifier l'agneau, les coupe sur les coups. Donc, ça descend qui peut couler là, les Tibisains, comme si dirait, collecter dans une espèce qui vête. Il ne faudrait pas que ça descend là, les tombe par terre, il ne faudrait pas que ça descend là, les gaspiller, mais les Tibisains ramassent tout le sang de l'agneau qui peut être immolé, qui peut être sacrifié dans une cuvette, frères et sœurs. Mais tant que ça dit sang là, lui rester dans la cuvette, les papes capables protègent le peuple juif. La manière que ce sang de l'agneau vous protège le peuple juif, c'est qu'ils ont besoin de transférer ce sang de la cuvette sur les linteaux et les deux côtés de la porte de leur maison. Frère, Maurice dit bien, tant qu'il s'adissant là, l'agneau finit immolé, finit sacrifié, une coupe sur les coups, disant là, une versée dans une cuvette. Mais tant qu'il s'adissant là, il restait dans la cuvette, le sang qui est dans la cuvette, il n'est pas capable de protéger le peuple juif. Ce petit bisin transfère ce sang de la cuvette sur les linteaux et les deux côtés
et de la porte de leur maison. Et toute la destinée d'Israël, toute la protection d'Israël, dépend sur le fait que ce bizin transfère sa descente depuis cette cuvette jusqu'au linteau et les deux côtés de la porte de la maison. Et comment Zot fin ferri? Bon Dieu, tu dis Zot, prends l'hyssop. Prends quelques branches de hyssop. L'hyssop, c'est comme si tu dirais, c'est un weed, c'est comme une espèce d'herbe qui t'y poussait beaucoup dans le Moyen-Orient. Il dit, prends une partie de cette branche-là, de l'hyssop, trempli dans le sang et ensuite servis ça ou asperge le sang sur le linteau et les deux côtés de la porte de la maison. Alors, nous trouvons que l'hyssop, c'était une affaire qui est très beau marché. Il dit, vous prendrez ensuite un bouquet de l'hyssop. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Et voilà ça qui instruction qu'ils ont besoin de faire. Tant que ça dit ça là, restez dans le bassin, l'IPE n'a aucun effet pour protéger le peuple juif. Ça qu'ils ont besoin de faire, transfère ce sang de ce bassin jusqu'au linteau et les deux côtés de la porte. Et là, bon Dieu des autres, prend un bouquet l'hyssop et trempli dans le sang et badigeonne sur la porte. Et je connais que l'hyssop était une affaire de qui peine à valer. C'était comme l'herbe qui poussait un peu partout dans le Moyen-Orient. Et là, nous trouvons que seulement l'hyssop est capable de peine à valer, mais il était essentiel pour le salut d'Israël. Tibizel, l'hyssop, pour tirer sa descente là, depuis le bassin, pour mettre sur le linteau et les deux côtés de la porte. Et troisièmement, bon Dieu, ça qui est bizarre, bon Dieu, Jésus, nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. En d'autres mots, pour qui ils sont capables d'être protégés par le sang? Il n'est pas suffit uniquement qu'ils ne prennent l'hyssop, qu'ils ne tremplent dans du sang et aspergent les deux côtés de la porte et le linteau, mais ils ont besoin aussi et dans l'obéissance. Tant qu'ils sont restés à l'intérieur de la maison, ils sont protégés par le sang. Comment vous êtes sorti en dehors de la maison, vous n'êtes plus protégé par le sang. Là, nous trouvons que l'obéissance était très importante pour qui vous êtes capable de gagner la protection de Dieu. D'ailleurs, quand nous lisons dans 1 Pierre, au chapitre 1, versets 1 et 2, nous trouvons combien l'obéissance est très, très importante. Regardez le prochain verset, Kevin. Il dit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'expiation du sang de Jésus-Christ. Il dit, j'ai besoin d'être obéissant, premièrement, d'abord obéissant, ensuite je participe à l'expiation du sang de Jésus. Donc, nous trouvons qui d'abord est dans l'obéissance, ensuite est dans l'aspersion du sang de Jésus. Ce sang n'est pas capable d'être aspergé sur les personnes qui désobéissent. Le sang de Jésus n'est pas capable de protéger ceux qui désobéissent. Le sang de Jésus les protège uniquement ceux qui obéissent à la parole de Dieu, à notre Seigneur Jésus. Donc, là, qui nous trouvait dans ce Passover, dans cette cérémonie de Passover, c'est qu'un agneau qui besoin d'être sacrifié. Et je collectais ce sang dans un bassin, et là, tu viens transférer ce sang sur les linteaux et sur les deux côtés de la porte en utilisant un bouquet de l'hyssop qui peut tremper dans ce sang-là. Et badigeonne cela. Et l'apôtre Paul est allé là, tu peux dire, Jésus est notre Pâque, l'agneau immolé qui fait naître sacrifié pour nous. Frère et sœur, imagine cela bien. Ça fait plus de 2000 ans que Jésus-Christ fut mort de la croix. Ça fait plus de 2000 ans que le sang de Jésus fut naître versé sur la croix. Ce sang, comme s'il dirait, lit dans le bassin. Mais le sang dans le bassin n'est pas capable de protéger personne, frère et sœur.
nos baisers retirent ce sang de Jésus du bassin pour nous asperger, nous, la vie. Et à ce moment-là, nous pouvons être protégés à condition que nous obéissons à Dieu. Et la question qu'il nous pose, nous, on dit, mais comment est-ce qu'il nous retire ce sang de Jésus, de ce bassin, que ça nous a versé, jusqu'à la vie de tout un chacun d'entre nous, pour que Jésus-Christ protège nous dans nos vies. Rappel, Apocalypse, chapitre 12, verset 11, nous peut dire que comment nous pouvons vaincre Satan? C'est quand nous témoignons personnellement de ce que la Bible lit dire, ce que le sang de Jésus lit faire pour nous. C'est nos témoignages qui prend ce sang du bassin, ce sang de Jésus de ce bassin, pour appliquer l'eau, nous laver. C'est nos témoignages qui peut faire que ce sang de Jésus est sorti de ce bassin et d'y être appliqué l'eau, nous laver. Témoignage est très, très important. Et ce témoignage est très important. Il commence à l'hyssope là. Il est très important pour nous considérer, nous retirer ce sang de ce bassin, sang de Jésus, pour nous appliquer l'eau, nous laver. Et aujourd'hui, il est important qu'il nous comprenne que la Bible dit à nous une affaire. Hébreux chapitre 3, verset 1, dit à nous que Jésus est le grand prêtre de notre témoignage. C'est pourquoi vous n'avez pas la vocation. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur, le grand prêtre, le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Donc Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de notre confession. Ça veut dire confession. Ça veut dire profession, confession. Ça veut dire qui nous dit la même chose de nous la bouche, de ce que bon Dieu fait dire dans sa parole. La confession, c'est dire la même chose que. C'est ça la définition de la confession, c'est dire la même chose que. Ça veut dire qu'on nous dit de nous la bouche ce qui bon Dieu peut dire dans la Bible, nous peut confesser la parole de Dieu. Et nous faire la parole qui sortit de nous la bouche, comme en accordité avec la parole de Dieu qui trouve dans la Bible. Et quand nous dire ça qui de nous la bouche, ce que bon Dieu dit dans sa parole, à ce moment-là, Jésus-Christ divine, le grand prêtre de notre confession. Si nous pas confessons la parole de Dieu, ben Jésus-Christ n'est pas capable d'être notre grand prêtre et par conséquent, n'est pas capable d'intercéder pour nous. Le témoignage, la confession, est indispensable pour notre salut. D'ailleurs, nous lire dans Matthieu, chapitre 12, verset 37, de la bouche de Jésus, nous dire ces paroles. Il dit, c'est pourquoi, frère saint, qui avait part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur. Non. Matthieu, chapitre 12, verset 37, Kevin. Non, Matthieu. Oh, non. Voilà, Matthieu, chapitre 2, verset 37, en fait, il dit à nous comme cela, qui nous sommes justifiés et par nos paroles, par nos bonnes paroles qui nous tirent. Et d'ailleurs aussi, Jacques, au chapitre 3, verset 4, dit à nous, voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Il est important, ce qui Jacques dit à nous, c'est que la parole qui se dit dans la bouche est très, très importante. Nous, la langue est très, très importante. Comme dans un navire. Un navire est dirigé par un petit gouvernail. Le gouvernail est capable, petit, le navire est bien grand, mais c'est le gouvernail qui donne la direction que le navire là pour aller. De la même manière que nous, la langue, est capable, petit, mais ce qui nous dit de nous, la langue,
C'est cela qui vous dirige, donne la direction de nous, la vie. Beaucoup d'entre nous, comme chrétiens, parfois, nous pas faire attention de ce qui nous tire. La Bible dit que par nos paroles nous bénit et par nos paroles nous capables de maudire. Alors, c'est très important que quand nous confessons la parole de Dieu. Confesser veut dire la même chose que dire la même chose que ça veut dire ce qui nous dit de nous la bouche, lit en accordité avec ce qui bon Dieu dit dans sa parole, dans la Bible. Alors, vraiment, on nous rappelle ce soir d'Apocalypse chapitre 12, verset 11, dit Diane comme ça. L'ennemi sera vaincu. Nous pouvons vaincre l'ennemi, le Satan, par le sang de l'agneau et par le témoignage de nos frères. Et qui, donc, c'est comme cela que nous pouvons gagner la victoire. Et ce soir, qui vraiment nous connaît, qui nous pas pour capable témoigne de ce que le sang de Jésus les fait dans nos vies, si nous pas connaissons la parole de Dieu et si nous pas connaissons ce qui bon Dieu dit, ce que le sang de Jésus fait dans nos vies. Comment est-ce qu'il nous tire ce sang de Jésus qui vient d'être versé sur la croix du calvaire pour nous appliquer dans nos vies? C'est à travers nos témoignages personnels quand nous dire ce que la Bible peut dire. L'eau qui le sang de Jésus lui fait dans nos vies. Et donc, pour qui nous capable de dire ce que le sang de Jésus lui fait dans nos vies selon la Bible, ben, nous besoin connaître la Bible. Nous besoin connaître la parole de Dieu. Et la prochaine fois, nous pouvons guetter les sept manières que la Bible dit que le sang de Jésus il travaille dans la vie de bon chrétien. Né de nouveau. Nous pouvons garder pour la prochaine fois pour qui nous capables vraiment appliquer le sang de Jésus, l'eau, nous la vie, frères et sœurs. Donc ce soir qui vraiment, mot paraît de la même parce que ce sermon paraît un petit peu long, mais nous comprenons que le sang de Jésus, il vient d'être versé, asperge sept fois l'eau salatée là. Et dans cette manière que ce sang de Jésus il travaille dans la vie de chaque chrétien né de nouveau. Et nous connaît le verset clé, c'est qu'il nous pouvons vaincre le Satan par le sang de l'agneau et par le témoignage de notre frère. Nous pouvons vaincre le Satan quand nous témoignons personnellement de ce que la Bible dit, ce que le sang de Jésus lui fait dans la vie de chaque chrétien né de nouveau, obéissant à Dieu. Donc voilà, ce soir, mon point de la même. Et mon point invite cette frère et sœur pour envoyer cette bonne requête de prière. Nous, là, ce soir, pour prier pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont un bon problème. Nous connaissons qui, bon Dieu, il dit à nous dans sa parole, qui ses oreilles, il n'est pas trop saute pour tendre. Sur la main, il n'est pas trop courte pour venir à notre secours. Quand nous prions, bon Dieu, tendez. Mais très souvent, des fois, ce sont nos péchés, ce sont nos crimes qui empêchent bon Dieu d'entendre nous la prière. Que ce soit, moi, avec d'autres frères et sœurs, dans la repentance, nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés. Et bon Dieu, il dit que si nous confessons nos péchés devant Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous laver de toute iniquité. Dieu, il dit pour pardonner nos péchés, bon Dieu, il dit pour laver nous de toute nos bonnes iniquités à condition qui nous confesse nos péchés, à condition qu'ils nous reconnaissent, qu'ils qui bon Dieu, quelque chose qui bon Dieu dit à un péché, nous dit bon Dieu, oui, moi d'accord avec toi, on reconnaît que c'est un péché. C'est ça que ça veut dire, confesse nos péchés devant Dieu. Donc, on voit maintenant notre requête de prière, et donc nous vous priez pour vous, et nous commençons par celle-là, pour prier pour cette bonne requête de prière. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Seigneur, nous remercions-toi, Seigneur, pour ton message de ce soir. Amène-nous, Seigneur, à comprendre ce que tu finis accompli pour nous.
ce sens qu'il représentait, qui donne verset pour nous, Jésus. Seigneur, vraiment nous reconnaissons vers toi, Seigneur mon Dieu. Et si ce soir nous devant toi, si ce soir nous pouvons accorder ensemble, si ce soir nous pouvons pas crier toi, papa, c'est parce que Jésus te donne de la vie pour nous. Donne verse te dit sang précieux pour toute l'humanité. Donne prend tous nos fardeaux de te des épaules. Seigneur mon Dieu, pour qu'il te libère nous à cause de nous. Alléluia. Et ce soir, Seigneur mon Dieu, comme à ta parole, il dit à nous, pas inquiète-nous de rien. Fais connaître nos bonnes demandes par des prières et des actions de grâce. Seigneur, ce soir, nous lève vers toi, Seigneur Jean-Marc. Jean-Marc, Seigneur, qui souffert, qui est à l'hôpital, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, quand Seigneur, ben, docteur, fin donne ce diagnostic, de dire qu'ils ont fini condamné. Mais papa, ce soir, nous pouvons dire ce qui toi te dire. Papa, nous faire appel à toi ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout comme dans Matthieu 18, 19, te dire à nous, Jésus, quand deux ou trois poulons la terre pour accorder ensemble, pour demander une chose quelconque au Père dans le ciel, en ton nom, Jésus, du parcours de nous. Seigneur, nous avons totalement confiance, assurance de tes paroles, de tes promesses. Et ce soir, Seigneur, de commun accord avec la famille, avec mon bon frère, mon bon soeur qui ensemble avec moi, Seigneur, mon Dieu, nous lève Jean-Marc devant toi, papa. Papa, trouve Jean-Marc la côté était à l'hôpital, Seigneur, mon Dieu. Déverse ton regard favorable au lit, Seigneur. Touche les parties de ce corps qui finit être atteint, Seigneur, mon Dieu. Touche les parties de ce corps, Seigneur, mon Dieu. Et Seigneur, ranime ça les corps là, Seigneur. Seigneur, impose ta main puissante, Seigneur mon Dieu. Donne à nous de celui qui guérit, nous croire de ta parole, Seigneur mon Dieu, que tu es celui qui guérit. Seigneur, ce soir, nous lève nos frères Jean-Marc devant toi. Seigneur, qui dans l'état que tu étais, Seigneur, nous prier que Jean-Marc, Seigneur, ouverse les cœurs à toi, Seigneur, les cris vers toi, Seigneur mon Dieu. Qui toi, Seigneur, t'entends les cris de Jean-Marc, t'entends les cris de ce bon proche, Seigneur, mon Dieu. Et Seigneur, ta parole, dis-nous, le prophète Esaïe, dis-nous, qui tes oreilles n'est pas trop sourdes pour t'endé, et qui te la main n'est pas trop courte pour toucher, pour intervenir, pour guérir. Seigneur, impose ta main au Jean-Marc, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, me prier pour la famille aussi, Seigneur, la famille qui est dans un état lamentable, d'un état de désespoir, Seigneur, mon Dieu. Mais Seigneur, me lève la famille devant toi, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, qui la famille est capable de tout, nous autres lisiers vers toi, Seigneur. Nous autres capables de tout, nous autres regards, Seigneur, nous autres l'équerre vers toi. Je crie vers toi, Seigneur Jésus, entends leur cri, Seigneur. Oui, Seigneur, nous médite de te l'amener, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Seigneur, tout ce qui te pour faire dans la vie de Jean-Marc, Seigneur, il peut tout pour te la gloire et te la gloire seulement, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, nous plaçons l'épouse devant toi, Seigneur, mon Dieu. Oh, Jésus. Seigneur, ce soir, nous prions pour Jude à la demande de Jocelyne, Seigneur, mon Dieu. Jude qui peut souffrir de ce lérin. Seigneur, ce soir, nous lève Jude devant toi, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, impose ta main, Seigneur, toi l'Éternel qui guérit, Seigneur. Toi, impose ta main au Jude, la quotidienneté, Seigneur, mon Dieu. Qu'est-ce les reins de Jude qui a fonctionné normal, Seigneur, mon Dieu. Il regagne sa fonction, Seigneur, mon Dieu. Papa, qui dans ce moment-là, Seigneur, me prier qui Jude, il tourne vers toi, Seigneur, mon Dieu. Quand le secours vient de toi, Seigneur, comment le psalmiste lui dit, d'où nous vient le secours nous vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, mon prier qui jude, Seigneur, il tourne ce lisier, ce liquaire vers toi, Seigneur, mon Dieu. Et qui, Seigneur, Papa l'Éternel, ce soir, Seigneur, toi qui as toute la puissance, toi qui as toute la capacité de guérir, Seigneur, impose ta main sur Jude, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, Jésus. Et Seigneur, ce soir, nous prions pour Marie-Danielle. Marie-Danielle qui est atteinte d'un cancer, Seigneur, mon Dieu.
Seigneur, nous accorder ensemble avec M. Sylvette. Seigneur, nous élève Marie-Danielle devant toi. Seigneur, toi te connais que ça concerne la péron, juste les parties de ce décor, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous faire appel à toi, Jésus-Christ, ton nom, Seigneur Jésus, ton nom qui est puissant, ton nom qui est au-dessus de toute maladie, ton nom qui est au-dessus de tout cancer, Seigneur mon Dieu, ton nom qui est plus grand qui n'importe qui maladie, Seigneur. Ce soir, Seigneur Jésus, nous faire appel à toi pour Marie-Danielle, Seigneur mon Dieu. Seigneur, là que ce l'écho puisse souffrir de ce cancer, Seigneur mon Dieu. Papa, qui t'a intervenu, Seigneur mon Dieu. Qui t'a intervenu, Seigneur. Ce soir, Seigneur, nous faire appel à toi. Seigneur, nous rappelle, Seigneur mon Dieu. Cette femme cananéenne qui t'y vient vers toi, demande-toi, Seigneur, de l'aide pour ses enfants, pour ce petit fils, Seigneur. Ce petit fils qui te fait tourmenter, Seigneur mon Dieu. Et ce soir, nous faire appel à toi, Seigneur Jésus, pour Marie-Danielle, Seigneur mon Dieu. Interviens, Seigneur Jésus, toi le même, tu n'as pas changé, Seigneur. Alléluia, Jésus. Seigneur, nous prions aussi, Seigneur, pour Janine. Janine qui peut souffrir de ce lisier gosse, Seigneur mon Dieu. Que le Seigneur, il fait une guerre, une tension au niveau de ce lisier, Seigneur. Papa, nous accordons ensemble avec Sabrina, Seigneur. Nous lève-nous sur Janine devant toi, Seigneur. Cette sœur, Seigneur, qui compte toi, Seigneur. Et Seigneur, cette sœur qui compte sur toi, Seigneur, mon Dieu. Papa, nous lève l'isier de Janine devant toi, Seigneur, ce soir. Impose ta main puissante au lisier de Janine, Seigneur. Qui, Seigneur, toi mènes, Seigneur, mon Dieu, sa tension qui est là au niveau de ce lisier, Seigneur, dans t'amène-lui stable, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, t'enlèves sa tension là au niveau de ce lisier, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, te prends tout le contrôle de lisier de Janine, Seigneur, mon Dieu. Ce lisier gosse, Seigneur, afin que Janine t'a pas vrai gain l'usage de ce lisier, Seigneur, mon Dieu. Oh, papa, prends le contrôle, Seigneur, du tension de Janine, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, le corps de Janine n'a pas aucun secret pour toi, Seigneur, mon Dieu. C'est toi-même qui crée ça, les corps, là, papa. Mais papa, ce soir, nous demandons-toi d'intervenir dans le nom de ton fils Jésus-Christ de Nazareth. Interviens, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, Jésus. Seigneur, ce soir, nous prions aussi pour Chantal. Chantal, Seigneur, qui y trouve lui ce soir dans le cardiac unit, qui est très souffrante, Seigneur, mon Dieu. Papa, nous accordons ensemble avec Anne. Seigneur, tu nous dis quand Delola t'est accordé ensemble, Seigneur, tu es le Dieu qui répond, Seigneur. Seigneur, ce soir, nous plus guider, Seigneur. Nous plus guider, Seigneur, mon Dieu. Oh, papa, plus forte raison, nous connaît qui est le Dieu qui l'écoute et tu es le Dieu qui répond, Seigneur, mon Dieu. Papa, nous livre Chantal devant toi, Seigneur. Seigneur, prends contrôle de ce liquaire, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, mon Dieu, qui te prend tout le contrôle du battement de son cœur, Seigneur. Qui se banne l'artère, Seigneur, pour fonctionner normal, Seigneur, mon Dieu. Pour capable de faire ce travail qu'ils ont besoin de faire, Seigneur, au niveau de l'équerre de Chantal, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, si la banne quitte l'artère, qui finit de boucher, papa, me prier qu'il te banne l'artère, d'y déboucher à travers tous les soins que les médecins peuvent donner à l'hôpital, papa. Papa, à travers la médecine aussi, te guéris, Seigneur. C'est toi-même qui donne de l'intelligence à tous les médecins, Seigneur. Te donne de la sagesse, papa. Papa, moi, lève, Seigneur, le cardiologue qui occupe Chantal dans cette unité, Seigneur, mon Dieu. Et qu'il y trouve les soins adéquats à nous, sur Chantal, Seigneur, mon Dieu. Et qui Chantal, Seigneur, se l'équerre, Seigneur, pour travail normal, pas de la grâce, pas de la mépuissante, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, si Chantal, il n'a qu'il souci, Seigneur. Seigneur, libère-lui de tout souci, Seigneur. Déverse de la paix dans ce pensée, dans ce esprit, Seigneur, mon Dieu. Oh, Jésus, nous lève Chantal vers toi ce soir, mon Dieu. Alléluia, Seigneur.
Papa, nous lève Marie Lily devant toi, Seigneur, chaque semaine. Seigneur, nous venons vers toi, Seigneur, à la demande de Marie-Lanne, Seigneur. Nous accordons ensemble avec Marie-Lanne, Seigneur, mon Dieu. Nous lève Marie Lily devant toi. Seigneur, le problème de Marie Lily au niveau de ce genou, Seigneur, te connaît, te trouver, Seigneur. Mais Seigneur, nous ne pas pour décourager, nous pour continuer, venir vers toi, nous pour persévérer, Seigneur. Nous pour amener nous, Seigneur, vers toi, Seigneur, mon Dieu. Qui te capable impose ta main puissante sur ce genou droit, Seigneur. Nous sommes Marie-Lily qui peut avoir une difficulté pour marcher, Seigneur, mon Dieu. Les gars, une difficulté pour les capables mouvoir sur la jambe, Seigneur, mon Dieu. Ô Père du ciel et de la terre, déverse ton regard favorable au Marie-Lily, Seigneur. Les capables regagner l'usage de ce pied, Seigneur. Les capables marcher, Seigneur, mon Dieu, sans aucune difficulté, Papa. Seigneur, ce soir, nous élève aussi, Seigneur, mon Dieu, bébé. Bébé, Seigneur, qui peut souffrir de ce du pied. Et Seigneur, mon Dieu, quand il y en a une opération pour lui subir, Seigneur, mon Dieu, très bientôt. Papa l'Éternel nous place, Seigneur, à l'opération qui prenne lieu, Seigneur, pour bébé, Seigneur, mon Dieu. Papa, me prier que cette opération pour passe bien, Seigneur, sans aucun problème, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, ce soir, moi, élève les chirurgiens, Seigneur, qui pour en action, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, mon Dieu, qui te pour guide sur la main, Seigneur, mon Dieu. Pendant, Seigneur, cette opération qui bébé pour subir, Seigneur, mon Dieu. Me place aussi l'anesthésiste de te la main, Seigneur, mon Dieu. Qui le travail qu'il est pour faire bien, sans aucune erreur, Seigneur, mon Dieu. Oui, papa. Et me prier qui bébé pour capable supporte cette opération, Seigneur, mon Dieu. Et qu'après cette opération, Seigneur, bébé, pour capable marcher, Seigneur, mon Dieu. Oh, papa, ce soir, nous lève bébé vers toi, Seigneur, mon Dieu. Toi-même, tu organises à l'opération-là, Seigneur. Toi-même, tu prends contrôle, Seigneur Jésus. Parce qu'il est le plus grand spécialiste de tous les spécialistes, Seigneur. Tu es le plus grand orthopédiste, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, Jésus. Oh, kabarate kirigoshinta, barata karasanta, yantara yesteri yete kirigoshinta. Alléluia, Seigneur. Oh, mon Dieu, Seigneur, nous prions aussi, Seigneur, pour Nitish qui encore peut souffrir, Seigneur, mon Dieu, de ce colonne vertébrale, Seigneur. Seigneur, nous lève la colonne vertébrale de Nitish devant toi, Seigneur, mon Dieu. Impose ta main puissante, Seigneur, mon Dieu. Te remettre de l'ordre dans tout ce ban les yeux, Seigneur, dans tout ce ban les yeux, ce ban l'artère, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, tout ce qui est capable de bouger dans ce colonne vertébrale, Seigneur, te remets tout en place, Seigneur, mon Dieu. Car le corps de Nitish n'a aucun secret pour toi, Seigneur, mon Dieu. Ta parole nous dit que nous sommes nus à découvert devant toi. Seigneur, papa, moi implore toi, Seigneur, ce soir. Impose ta main puissante sur Nitish et sur bébé. Sur les deux, Seigneur, mon Dieu. Te trouve ce problème, Seigneur, mon Dieu. Mais tu es le Dieu qui est rempli d'amour. Tu es le Dieu qui est rempli de compassion, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, comme à te dire nous de ta parole, invoque-toi, Seigneur. Ce soir, nous invoquons ton nom qui est au-dessus de tous les noms, ton nom qui est puissant, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, Jésus. Et tout ce qui te pour faire dans la vie de bébé et de Nitish, Seigneur, mon Dieu, lui poutoune pour de la gloire. Et de la gloire seulement, afin que ton nom lui est levé, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, Jésus. Seigneur, ce soir, nous élève Charles devant toi. Charles qui peut souffrir d'une migraine, Seigneur, mon Dieu. Nous accordons ensemble avec Marie-Véronique, Seigneur. Nous élève Charles devant toi, Seigneur, là que Charles était, Seigneur. Impose ta main sur la tête, Seigneur, mon Dieu. Impose ta main, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, te connais quelle est la raison qui peut occasionner sa migraine-là, Seigneur. Il se peut que cela vu, Seigneur, mon Dieu. Mais Seigneur, qui te capable révèle au médecin, Seigneur, qui peut occasionner, Seigneur, cette migraine, Seigneur, dans les corps de Charles. Seigneur, mon Dieu, tu es le Dieu aussi qui guérit, Seigneur. Seigneur, ce soir, nous faire appel à toi. Impose ta main sur la tête de Charles, Seigneur, mon Dieu. Mets de l'ordre, Seigneur, au niveau de la tête, Seigneur. Ah oui, Jésus.
Libère Charles de toute migraine, Seigneur. Libère-lui de toute migraine, Seigneur, qui ne vient pas de toi, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, Jésus. Oh, Seigneur, mon Dieu, nous continuons à intervenir auprès de toi. Nous continuons, Seigneur, mon Dieu. Élève-nous, bonnes frères, nous, bonnes sœurs, Seigneur, qui dans une situation pénible, Seigneur, dans une situation bien difficile, Seigneur, mon Dieu. Tant de personnes, Seigneur, qui souffrent, Seigneur mon Dieu, différentes maladies, mais nous continuons à venir vers toi, parce qu'il nous connaît, Seigneur, tu es un Dieu qui a l'écoute, et tu es un Dieu qui répond, tu es un Dieu qui a toute la capacité, parce qu'il est un bon Dieu qui a le vouloir et le faire. Et nous prions aussi, Seigneur, pour tout monde qui nous peut lever ce soir, tout monde qui nous peut prier, Seigneur, fortifiez nous dans la foi en toi, Seigneur mon Dieu. Qu'ils aient croire de ta parole, Seigneur, ils aient croire en toi, Seigneur Jésus. Oh, Papa, ce soir, nous prions à la demande de John, Seigneur, nous prions pour Judex. Judex qui atteint un cancer au niveau de ce poumon. Seigneur Jésus-Christ, ce soir, Seigneur, visite Judex ce soir. Visite-lui, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur. Visite Judex, Seigneur. Seigneur, nous prions, Seigneur, que toi, le Dieu qui peut tout faire, ce soir, nous demande-toi, Papa, intervenir dans la vie de Judex, Seigneur, mon Dieu. Intervenir, Seigneur, au niveau de ce poumon, Seigneur, mon Dieu. Que cette maladie fin touche-lui, Seigneur, mon Dieu. À cause, Seigneur, sa malade-là, Seigneur, péronge ce poumon, Seigneur. Mais toi, le Dieu, à une parole de ta bouche, Seigneur, mon Dieu. À une seule parole de ta bouche, Seigneur, mon Dieu. T'enlève, Seigneur, sa cancer là du poumon de Judex. Oui, Seigneur. Judex, ce soir, me demande-toi, mets ton regard au Jésus. Fais appel à lui de tout ton cœur. Tout comme cette femme au père de sang pendant 12 ans. L'India dans ce liquide, s'il n'est pas touche le rebord de la robe de Jésus, il faut guérir, il y en a cette confiance. Mais aujourd'hui, nous prenons la robe de Jésus, mais il y en a sa parole. Alors, touche la parole de Dieu, touche la parole de Jésus. Seigneur, nous prions qu'il se soit envoyé ta parole, Seigneur, ta parole amène la guérison dans les corps de Judex. Amène la guérison totale, complète dans ce poumon, Seigneur. Oh mon Dieu. Oh, mon frère, ce soir, tourne-toi vers Jésus. Crie vers lui ce soir de toute l'éclair. Alléluia, Jésus. Oh, merci, Seigneur, mon Dieu. Papa, nous continuons à intercéder auprès de toi, Seigneur, pour la belle maman, Seigneur, Lisette, Seigneur, la belle maman de Stéphanie, Seigneur. Et aussi pour ce maman Julie, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, Stéphanie, demande-toi ce soir qui te donne le courage, Seigneur. La force, Seigneur, mon Dieu, à ce maman, à ce belle-mère, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, ne lève ces deux mamans-là, Seigneur, devant toi, Seigneur. Seigneur, qui toi poses de la mélose, Seigneur, fortifiez-eux dans votre corps physique, Seigneur, mon Dieu. Fortifiez-eux dans votre pensée, Seigneur. Fortifiez-eux dans votre esprit, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, c'est là qui découragement, Seigneur, t'enlever, Seigneur, mon Dieu. C'est là qui peur, qui dans eux, Seigneur, te libère de toute peur, Seigneur, mon Dieu. T'enlèves tout bas de la crainte qu'ils sont capables de gagner, Seigneur, mon Dieu. Mais qui, Seigneur, te coule de la paix dans eux, l'équerre, Seigneur. Te coule de la paix, Seigneur. Te coule de la joie dans eux, Seigneur, mon Dieu. Ta parole nous dit que la joie du Seigneur, c'est notre force, Seigneur. Qui te remplit, eux, par la joie, Seigneur. Eux, capable de gagner la force, Seigneur, comme le buffle, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, Seigneur. Qui n'importe quelle situation qu'ils ont pu faire face, Seigneur, mon Dieu. Ils ont pu capable d'affronter avec foi et courage, Seigneur, mon Dieu. Oh, Papa, et nous prions aussi, Seigneur, comme Stéphanie demandait, qui te garde ce belle-mère, Seigneur, mon Dieu, Lisette, ce maman Julie, en bonne santé, Seigneur. Que ces deux mamans-là, Seigneur, capables de jouir d'une bonne santé, Seigneur, mon Dieu, alléluia. Oh, Papa, nous connais, Seigneur, tu es un Dieu, Seigneur, qui prend soin, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, alléluia. Papa l'Éternel, ce soir, nous prions aussi, Seigneur,
à la demande toujours de Stéphanie, Seigneur. Stéphanie qui est à cœur, Seigneur, pour prier, Seigneur, pour intercéder, Seigneur, pour chaque personne qui l'y connaît, pour son bon proche, Seigneur, pour ses amis, Seigneur. Seigneur, ce soir, me lève Janine devant toi. Janine qui souffert de la hanche, Seigneur, mon Dieu. Et cette souffrance empêche-les de marcher normal, Seigneur. Car, Seigneur, mon Dieu, Janine, il y a beaucoup de difficultés pour marcher, Seigneur, mon Dieu. Oh, papa, ce soir, me demande-toi, papa, impose-te la main, Seigneur. Si c'est un problème de sciatique, Seigneur, impose-te la main, Seigneur, te délier, Seigneur, tout ce bas de muscle, Seigneur, mon Dieu, ce bas de ligament, Seigneur. Oui, Seigneur, te délivrer-les, Seigneur, de toute trace de sciatique, Seigneur, mon Dieu. Te libère cela, ange, Seigneur, mon Dieu. Oh oui, papa. Et qui Janine pour capable marcher, Seigneur. Li pour capable marcher par la grâce, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Seigneur, ce soir, nous prions aussi, Seigneur, pour Marie-Noël, Seigneur, à la demande de Cécile. Seigneur, impose ta main, Seigneur, mon Dieu. Sur la tête de Marie-Noël, de la tête jusqu'aux pieds, Seigneur. Comment, Seigneur, il finira d'un état de paraplégie, Seigneur. Mais, Seigneur, Seigneur, tu es le Dieu qui est capable de délivrer lui, Seigneur. Quand tu l'as la tête, tu guéris, ban boiteux, ban paralysé, ban sourd, ban muet, Seigneur. Même que tu ressuscites les morts. Mais tu es le même, Seigneur, tu n'as pas changé, Jésus. T'es le même, Seigneur, ce soir, me demande-toi d'intervenir dans les corps de Marie-Noël, Seigneur. Qui Marie-Noël capable de bouger, ni capable de regagner le sens dans ce décor, Seigneur. Ni capable de regagner, Seigneur, sur la jambe, Seigneur, l'usage de sur la jambe, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur. Oh, papa. Seigneur, déverse ton regard favorable au Marie-Noël. Oui, Père du ciel et de la terre. Papa l'Éternel, ce soir, m'élève aussi Annabelle et le petit Hugo, Seigneur, bénis-eux, fortifiez-eux, Seigneur, pourvois-eux à tous eux besoins. Oui, Seigneur, me pense à Claude, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, qui te prend soin, Seigneur, de ce tube digestif, Seigneur, tout ce qu'il y mange, il pourra digérer, Seigneur, mon Dieu. Et Seigneur, me prier aussi pour Jérôme, qui peut passer un moment difficile dans la famille, Seigneur. Seigneur, apporte une délivrance au sein de cette famille, Seigneur, je te retrouve, je te la paix, je te l'unité, Seigneur. Oh, papa, me connais, Seigneur, ton bon Dieu qui entend et qui répond, Seigneur. Papa l'Éternel, ce soir, m'invoque-toi, Seigneur, de commun accord avec mon bon frère, mon bon soeur, dans le nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, toute la gloire est pour toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, ce soir, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, que c'est vraiment la grâce, Seigneur Dieu, qui nous carvine devant toi, Seigneur. Seigneur Dieu, c'est vrai même avec un empressement, Seigneur, qui nous vient devant le trône de la grâce. Parce que, Seigneur, nous capables, appelle-toi Papa. Et nous capables, viens présente, Seigneur Dieu, avec nos bonnes frères, avec nos bonnes sœurs, Seigneur. Bonne requête, Seigneur. Seigneur, de dire notre parole dans Éphésiens, Seigneur, que nous puissions, Seigneur Dieu, fort, Seigneur Dieu, be strong in the Lord and in the power of his might. Seigneur Dieu, nous la force, Seigneur Dieu, n'est pas trouve en nous, Seigneur, mais nous la force, il trouve en toi, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Et nous fais-toi confiance, Seigneur Dieu. À chaque fois, Seigneur Dieu, qui nous frappe, Seigneur Dieu, nous connaît, Seigneur Dieu. Et là, Seigneur Dieu, une porte qui est ouverte, Seigneur. À chaque fois, Seigneur Dieu, qui nous élève une requête, Seigneur mon Dieu, nous connaît, Seigneur, nous demander et nous recevoir, Seigneur. Papa, vraiment ce soir, Seigneur Dieu, me prier toi, Seigneur mon Dieu, qui vraiment, Seigneur, faith, la foi, Seigneur Dieu, dans tes paroles, Seigneur Dieu, les capables rise, Seigneur Dieu, dans nous les cœurs ce soir, Seigneur. Father, me demande-toi, Seigneur, Seigneur Holy Spirit, envoie ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, dans le cœur de tout un chacun, Seigneur, afin, Seigneur Dieu, qu'il nous capable d'ébouler nos paroles ce soir, Seigneur Dieu, parce que tes paroles indiquent, Seigneur Dieu, nous invoque-toi, Seigneur mon Dieu, dans nous les temps de besoin, Seigneur, te réponds-nous, Seigneur mon Dieu, et tu es le Dieu qui guérit, Seigneur. Tu ne changes pas, Seigneur. Jésus, ce soir, Seigneur, me remercie toi qui te mets dans les cœurs, Seigneur, de Chéana, Seigneur, mon Dieu, pour prier
avec, Seigneur, nos sœurs, pour accorder, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent en ce moment, Seigneur, devant un problème, devant un trouble cardiaque, Seigneur. Et aussi, Seigneur, tu te mets dans ce liquide pour prier, pour nous capables d'accorder pour ceux qui peuvent souffrir au niveau de ce, les deux, au niveau de ce joint. Seigneur, mon Dieu, il y a tellement de besoins dans le monde, Seigneur. Mais mon remercie, toi, qui te Saint-Esprit est à l'œuvre, pour déposer, Seigneur Dieu, dans nos liquides, Seigneur Dieu, ces requêtes de prière. Papa, vraiment, Seigneur Dieu, te connais, Seigneur Dieu. Combien du monde peut souffrir, Seigneur mon Dieu, de bas de problème cardiaque, Seigneur. Seigneur mon Dieu, te connais, Seigneur mon Dieu. Seigneur Dieu, cette souffrance, Seigneur, me demande-toi, Seigneur. Miséricorde, Seigneur Dieu, ce soir, Seigneur. Seigneur mon Dieu, qui te capable d'intervenir, Seigneur, dans la vie de ces personnes, Seigneur. Mon Dieu, Saint-Esprit de Dieu, me prier qui te mouvoie, Seigneur mon Dieu. Qui, Seigneur Dieu, ce soir, m'envie, Seigneur Dieu, élève une personne qui est à l'hôpital, Seigneur. Et une personne qui peut faire une visite à l'hôpital, Seigneur mon Dieu. Devant le ward, Seigneur Dieu, cardiaque, Seigneur. Papa, me prier, Seigneur Dieu, devant le centre orthopédique, Seigneur Dieu, devant l'hôpital, Seigneur. Seigneur mon Dieu, devant une personne, Seigneur Dieu, qui bise, Seigneur, la prière, Seigneur. Seigneur, qui est capable de recevoir une visite, Seigneur mon Dieu. Papa, me prier qui te parole, Seigneur Dieu, pour capable d'être prêché, Seigneur Dieu. Et qui la foi, Seigneur Dieu, dans te parole, dans ton nom, Jésus, les pour capable, Seigneur Dieu, être concrétisé dans la vie, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, tu es le Dieu qui guérit. Seigneur, que cette parole, Seigneur Dieu, les capable de venir vers eux, qui est dans la solution, Seigneur. Jésus, me prier ce soir pour la sagesse, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, pour un médecin traitant, Seigneur. Papa, vraiment, Seigneur, me demande-toi, Seigneur Dieu, un supernatural discernment, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, qui vraiment est pour capable prescrire, Seigneur Dieu, les médicaments qui besoin, Seigneur. Pour ceux qui souffrent de une tension artérielle, Seigneur mon Dieu. Toi, te connais, Seigneur mon Dieu, et te connais quel est le dosage pour appliquer, Seigneur, à sa bonne patient, là, Seigneur. Mon Dieu, soulage, Seigneur. Soulage, Seigneur mon Dieu, ses patients, Seigneur. Et te connais, Seigneur, mon Dieu, les souffrances de bonne personne qui peut souffrir, Seigneur, de cette colonne vertébrale, Seigneur. Te connais comment la colonne vertébrale, Seigneur, c'est toi qui finis de créer le corps humain, Seigneur. Vraiment, me demande-toi, Seigneur, intervenir, Seigneur, dans une façon surnaturelle, Seigneur, d'une façon qui est indiscutable, Seigneur, qui est tout seul, qui est capable d'agir, Seigneur. Papa, vraiment, Seigneur Dieu, me crois, Seigneur Dieu, dans ta parole, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, de agir ce soir, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, que le sang de Jésus, Seigneur, mon Dieu, est capable de couler, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, nous applique le sang de Jésus, Seigneur, mon Dieu. Nous demander, Seigneur, mon Dieu, que ce sang, Seigneur, mon Dieu, qui ne finit couler, Seigneur Jésus, que ce sang, Seigneur, les guérit ce soir, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Chante kada papa, chante kodo papa. Ce sang, Seigneur, qui nous rend plus que vainqueurs. Alléluia. Et Seigneur Dieu, ce soir, Seigneur Dieu, nous joigne, Seigneur Dieu, nous la prière avec Dani. Dani qui peut demander pour prier pour que Jésus lui fasse un miracle dans sa vie et qu'il redonne la santé. Dani, je ne connais pas de quoi tu peux souffrir ce soir. Mais ça qui me connaît, c'est que notre Seigneur Jésus, c'est le Dieu de compassion, c'est le Dieu d'amour et c'est le Dieu qui t'en dit. Pena aucun la prière, pena aucun cri qui te capable faire, qui peut laisser indifférent. Et ce soir, Seigneur mon Dieu, nous demande-toi, Seigneur, entends le cri de Dani, Seigneur. Seigneur mon Dieu, viens à ses côtés, Seigneur. Papa, me prier, Seigneur Dieu, que dans la vallée de découragement, Seigneur, te capable aider, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que te ce bon berger, Seigneur, que ta houlette et ton bâton, Seigneur Dieu, les rassurent, Seigneur mon Dieu, et qu'il les connaît, les pas tout seul, Seigneur, qui vraiment, Seigneur, te restaure, Seigneur Dieu, ce soir, Seigneur, à l'instant, Seigneur Dieu, que tu peux prier, Seigneur, que tu peux invoquer ton nom, Seigneur Dieu, dans cette situation, Seigneur mon Dieu, viens à ses côtés, Seigneur. Come alongside Jesus. Come alongside Dani, Seigneur. Qui peut attendre un miracle de toi. Et Dani, le Seigneur, il peut dire à toi, criez vers moi. Criez vers moi, invoque-moi. Comment te Seigneur, comment te Sauveur et comment te Maître. Et voilà
qui en obéissance à ma parole, et voilà qui me pour opère un miracle, et qui te pour capable témoigner de la gloire de mon nom dans toute la vie. Merci Seigneur Jésus pour cette parole ce soir, Seigneur, dans la vie de Dani, Seigneur. Qui vraiment, Seigneur Dieu, te restaure sur la santé physique, sur la santé émotionnelle, sur la santé spirituelle, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, me remercie-toi, Seigneur. Me remercie-toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur mon Dieu, vraiment, Seigneur Dieu, remercie-toi qui donne Paul, Seigneur, il envoie, Seigneur Dieu, une requête qu'il peut demander, Seigneur, pour prier, pour ce douleur au ventre, Seigneur. Seigneur mon Dieu, il donne-toi toute la gloire, Seigneur. Qu'il y fait-toi confiance, Seigneur mon Dieu. Qu'il y trust, Seigneur Dieu, en toi, Seigneur. Chante kadababada, chante kodobaba, chante kodobaba, chante kodobaba. Seigneur Dieu, toi te connais, Seigneur, qui infection, Seigneur. Quelle est l'origine, Seigneur Dieu, de sa douleur au ventre là, Seigneur mon Dieu. Papa, me prier, Seigneur mon Dieu, qui te donne la sagesse, Seigneur. Seigneur Dieu, te donne la sagesse, Seigneur Dieu, pour lui capable, Seigneur Dieu, connais, Seigneur mon Dieu, qu'il ait besoin de faire, Seigneur mon Dieu. Pour les capables, Seigneur Dieu, amen, Seigneur Dieu, aide la vie, Seigneur Dieu, qui est agréable à toi, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur mon Dieu, me prier à l'instant même, Seigneur mon Dieu, qui te pose de la main, Seigneur Dieu, l'eau se vante, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu, le Dieu de compassion, le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde. Seigneur mon Dieu, sur ce frère, Seigneur, qui peut crier vers toi ce soir, Seigneur, te guéris-lui, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, te touche-lui, Seigneur Dieu. Là, Seigneur Dieu, que tu bises la guérison et te révèle à lui, Seigneur, de façon surnaturelle, Seigneur mon Dieu, l'origine, Seigneur Dieu, Seigneur de sa douleur, là, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, tu es celui qui le guérit, Seigneur, et me remercie-toi ce soir, Seigneur mon Dieu. Seigneur, pour ce frère, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, pour Cécilia, Seigneur, qui lui demandait, Seigneur, Seigneur Dieu, qui a codé ensemble avec Jacqueline, Seigneur, pour qui, Seigneur, toi accompagne Sébastien tout le long de ses études. Seigneur, mon Dieu, me pas connaît qu'il étude Sébastien peut faire. Seigneur, me pas connaît, Seigneur, mon Dieu, là, dans qui sujet il peut struggle, Seigneur, dans qui chapitre peut-être il peut struggle. Seigneur Dieu, qui m'a pensé, Seigneur Dieu, qui peut vivre, Seigneur Dieu, dans ce... Dans ce l'équerre, Seigneur mon Dieu, en cet instant, Seigneur. Mais ce qui me connaît, Seigneur mon Dieu, Seigneur, que quand nous placons nos confiances en toi, Seigneur mon Dieu, quand nous mettons la foi en toi, Seigneur mon Dieu, nous connais, Seigneur, quand nous reconnaissons toi dans toutes nos voies, Seigneur, Seigneur Dieu, toi planir nos sentiers, Seigneur. T'as ouvert un chemin, Seigneur, là que tu peines un chemin, Seigneur. Et ce soir, Seigneur Dieu, me demande-toi, Seigneur, cet esprit, Saint-Esprit, esprit d'encouragement, esprit de guide, esprit de provision, Seigneur mon Dieu, qui vraiment te vigne, Seigneur Dieu, aux côtés de Sébastien, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, le découragement n'est pas vigne de toi, Seigneur Dieu. Seigneur, la timidité n'est pas vigne de toi. Le doute n'est pas vigne de toi, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous prend l'autorité, Seigneur mon Dieu, nous lier. Tout ça va un esprit de peur, esprit de timidité, esprit de doute, Seigneur. Même la paresse, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, que tout ça, Seigneur Dieu, y être remplacé, Seigneur mon Dieu, par ta parole, Seigneur, ta parole qui encourage, Seigneur, ta parole qui vivifie, Seigneur, ta parole qui donne la persévérance, Seigneur mon Dieu. Ta parole, Seigneur Dieu, qui fortifie, Seigneur, les âmes affligées, Seigneur. Papa, Seigneur, mon Dieu, me prier qui Sébastien, il pour faire de toi, Seigneur, à chaque instant, le Dieu de cela vie, et qu'il pour cherche d'abord ton royaume et ta justice, Seigneur, et qui dans tout ce qu'il y entreprend, Seigneur, les mette-toi comme ce bon berger au devant, Seigneur, mon Dieu. Papa, vraiment, Seigneur, te encourage-lui ce soir, Seigneur, mon Dieu. Seigneur Dieu, ton tout lit de chants de délivrance, Seigneur mon Dieu, comment ta parole dit, Seigneur. Seigneur Dieu, there may be pain in the night, but joy comes in the morning. So Lord, I pray for supernatural joy. I pray for, Seigneur Dieu, cette paix qui te laisse avec nous, Seigneur, que cette paix, Seigneur, qui accompagne Sébastien tout le long de cette étude, dans le nom de Jésus.
Papa, vraiment, Seigneur Dieu, à la demande, Seigneur Dieu, de nos sœurs Marie-Lanne, Seigneur Dieu, de dire, Seigneur, qu'il peut demander, Seigneur Dieu, pour prier pour Marie-Lise, pour ce ban douleur aiguë, Seigneur. Papa, me sentis, Seigneur, que c'est ban douleur qui est répétitive, Seigneur. C'est ban douleur qui, Seigneur Dieu, qui vraiment, Seigneur Dieu, qui terrasse-les, Seigneur mon Dieu. Seigneur Dieu, qui afflige-les, Seigneur, qui gagne-les dans ce moral, Seigneur mon Dieu. Seigneur Dieu, qui est là, Seigneur Dieu, ban douleur, Seigneur, ban engourdissement au niveau de ce cou, de ses épaules, de ce les deux. Lord, Seigneur mon Dieu, Seigneur, moi invoque-toi, Seigneur Dieu. Over that situation, Lord. Seigneur mon Dieu, te connais, Seigneur, que nos besoins, Seigneur Dieu, nous les cours, nous ban membres, Seigneur Dieu, pour nous capables, Seigneur Dieu, enjoy, Seigneur mon Dieu, tout, Seigneur Dieu, this life qui te donne nous, Seigneur. Ce Lord, tu ne vinis, Seigneur, et pas te ben meurtricieux, Seigneur, une fenêtre rétablie, une fenêtre restaurée, Seigneur. De la tête jusqu'aux pieds, Seigneur, te restaure-nous, Seigneur. Et aussi émotionnellement, Seigneur, te donne-nous le courage, Seigneur, mon Dieu. C'est toi qui, Seigneur Dieu, donne-nous, Seigneur Dieu, cette joie, Seigneur, cette persévérance, Seigneur, mon Dieu. Et ce soir, Seigneur Dieu, me demande-toi, Seigneur, te dis-en, Seigneur, mon Dieu, le sang de Jésus. Seigneur Dieu, ce sang, Seigneur, qui guérit, ce sang qui purifie, ce sang, Seigneur Dieu, qui lave nos péchés, Seigneur mon Dieu. Ce soir, Seigneur Dieu, qui tout ça là, Seigneur Dieu, Marie-Lise, te capable de croire que le sang de Jésus est capable. Ce soit la parole de Dieu, l'infinite prêchée pour dire ce que le sang de Jésus les fait dans de la vie, et faire dans nous la vie à tous ceux qui croient. Seigneur Dieu, vraiment me demande-toi, Seigneur Jésus, qui vraiment te touche, Seigneur Dieu, ben membre, Seigneur Dieu, du corps, Seigneur Dieu, des épaules, Seigneur mon Dieu, de Seigneur de Marie-Lise, Seigneur mon Dieu, et Seigneur mon Dieu, qui te uplifte, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Que la joie, Seigneur du Seigneur, divine sur la force, comment te parole dire, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, nous prions, Seigneur Dieu, pour la restauration, Seigneur Dieu, de la moelle, Seigneur Dieu, de Patrick, Seigneur. Seigneur Dieu, il me comprend, Seigneur Dieu, qu'il a besoin de transfusion, Seigneur, de temps en temps ou bien régulièrement, Seigneur, toi te connais à qui fréquence, Seigneur Dieu. Il a besoin de faire ça, mal traitement là. Te connais, Seigneur, mon Dieu, les inconvénients, les douleurs, Seigneur. Toi, te connais, Seigneur, le fardeau, Seigneur, qui est dans nos souffrances, Seigneur, mon Dieu. Et me prier, Seigneur, mon Dieu, qui, Seigneur, mon Dieu, te capable de toucher les, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, te capable, Seigneur Dieu, donne, Seigneur Dieu, un réconfort, Seigneur Dieu, un soulagement, Seigneur, mon Dieu, en ton nom, Seigneur Jésus. Papa, me prier, Seigneur Dieu, que te bienveillance, Seigneur Dieu, que ta bonté, Seigneur mon Dieu, pour amener Patrick, Seigneur Dieu, à la repentance, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, ce soir, Seigneur Dieu, me prier pour une rencontre personnelle avec toi, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit, Seigneur, qui te prend lit, Seigneur Jésus, par la main, Seigneur. Seigneur, tu te fais lit, Seigneur Dieu, connais qui te l'a, Seigneur Jésus. Chante kada papa da chante kodo papa da chante kodo papa da chante kodo papa. Papa me prier, Seigneur mon Dieu. Seigneur Dieu me invoque ton nom, Seigneur Dieu, dans cette situation, Seigneur. L'oban transfusion qu'il peut faire, Seigneur. Me prier, Seigneur, pour un soulagement, Seigneur. Me prier, Seigneur Dieu, pour une restauration, Seigneur. Complète, Seigneur Dieu. Une restauration divine, Seigneur. Une restauration surnaturelle, Seigneur mon Dieu. Pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Intervenir dans la vie de Patrick, Seigneur. Amène-les, Seigneur Dieu, vers toi, Seigneur. Ramène-les, Seigneur Dieu, comme une brebis dans ton pâturage, Seigneur Jésus. Qui jamais, Seigneur, Patrick, pas pour l'ordre de la main, Seigneur Jésus. Merci, Papa Dieu. Merci, Jésus. Seigneur Dieu, vraiment, Seigneur Dieu, nous demandons-toi, Seigneur, comment nous joignes-nous, Seigneur Dieu,
Seigneur Dieu, avec Muriel, Seigneur Dieu, pour dire toi merci, Seigneur, pour la guérison de Kayden, Seigneur. Que vraiment, Seigneur Dieu, il peut donner toi tout l'honneur et toute la gloire, Seigneur. Vraiment, Seigneur Dieu, nous connaît, Seigneur, qui la prière qui nous élevait vers toi, Seigneur Dieu, n'est pas en vain, Seigneur Dieu. Nous connaît, Seigneur Dieu, quand nous priait toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur Dieu, quand nous croit, Seigneur Dieu. Voilà qu'il y a accompli, Seigneur. Et ce soir, Seigneur Dieu, nous faisons un témoignage, Seigneur Dieu. Et nous dit à toi, merci, Seigneur Dieu, pour la guérison de Kayden, Seigneur. Tout l'honneur, Seigneur Dieu, toute la gloire est pour toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur mon Dieu, ce soir, Seigneur Dieu, pour Cécilia, Seigneur Dieu, qui te dépose dans ce léquerre, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, que là, Jennifer, il te demande, Seigneur mon Dieu, pour pose, Seigneur Dieu, qui te faveur, Seigneur Dieu. Pour pose, Seigneur Dieu, te bénédiction, Seigneur Dieu, sur ce bon plan, sur ce bon projet, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, c'est encore une fois, Seigneur Dieu, que Jennifer, Seigneur Dieu, il peut persévérer, Seigneur. Seigneur Dieu, il peut demander toi, Seigneur mon Dieu, qui te fait quelque chose dans cela vie, Seigneur. Qui te ouvert un chemin, Seigneur, dans le désert, Seigneur mon Dieu. Et vraiment, ce soir, Seigneur, mon vie élève cette sœur devant toi, Seigneur. Seigneur mon Dieu, qu'il invoque ton nom, Seigneur Dieu, et ensemble avec lui, Seigneur. Me demande-toi, Seigneur, qui te parole, Seigneur Dieu, d'y révéler à elle, Seigneur mon Dieu, afin, Seigneur Dieu, qu'il est capable de connaître, Seigneur mon Dieu, que te tenir, Seigneur Dieu, sur la vie, Seigneur Dieu, dans toute la main, Seigneur. Et quand, Seigneur Dieu, lui confier lui-même en toi, l'Éternel, il est capable d'être rassuré, Seigneur mon Dieu, que tout le temps te poula pour lui, Seigneur. Seigneur mon Dieu, ce soir, me demande-toi, qui te capable rassure le cœur de Jennifer, Seigneur mon Dieu, que tu ne changes pas, que Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que tu es le Dieu, Seigneur, de la Genèse, Seigneur Dieu, jusqu'à l'Apocalypse, Seigneur mon Dieu. Et que toutes tes promesses, Seigneur Dieu, sont oui et amen en Jésus-Christ. Père très saint, vraiment, me demande-toi, Seigneur Dieu, comment me l'envoie, ça va me verser là, Seigneur. Qui vraiment, c'est une semence, Seigneur Dieu, qui tombait, Seigneur Dieu, dans le cœur, Seigneur, de Jennifer. Qu'il est capable d'être affirmé, Seigneur mon Dieu. Il est capable, Seigneur Dieu, et n'a une faim, et n'a une soif, Seigneur Dieu, de te connaître, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, vraiment, me confier à toi, cette sœur, que sur la foi, elle est capable de grandir de jour en jour, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur mon Dieu, nous prier, Seigneur Dieu, et nous accorder ensemble avec nos frères John, Seigneur mon Dieu, pour Diksha, Seigneur. Seigneur Dieu, qui souffre de ce l'estomac, Seigneur. Seigneur Dieu, que toi, Seigneur Dieu, tu es le Dieu qui guérit. Et Seigneur, me capable de témoigner, Seigneur, parce que d'une fine guérit moi également, Seigneur mon Dieu. Seigneur Dieu, de bon épisode de douleur, Seigneur Dieu, à l'estomac, Seigneur. Seigneur, comme on regarde vers toi, Seigneur mon Dieu, et comme on crie vers toi, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur mon Dieu, pareil, Seigneur, me connaît, Seigneur Dieu, qui Diksha, Seigneur mon Dieu, et n'a la guérison, Seigneur Dieu. Seigneur, qui est disponible, Seigneur, parce que tu es un Dieu, Seigneur, qui écoute la prière. Et Seigneur Dieu, de la main, Seigneur, il n'est pas trop court, Seigneur Dieu, pour venir sauver, Seigneur Dieu, celui, Seigneur Dieu, qui peut lever sur la main vers toi, Seigneur Dieu, pour une guérison, Seigneur. Papa, vraiment, Seigneur, me loue toi, Seigneur, me bénis toi pour cette sœur, Seigneur mon Dieu. Parce que me connais, Seigneur Dieu, qui te paie, Seigneur Dieu, donner un soulagement à l'estomac, Seigneur, maintenant même, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu, me remercie, toi, Seigneur mon Dieu, qui te la met, Seigneur Dieu, de poser l'eau d'Iksha, Seigneur mon Dieu. Et qui, Seigneur mon Dieu, de façon surnaturelle, Seigneur mon Dieu, la guérison les peut opérer maintenant même. In the mighty name of Jesus, I speak deliverance, I speak healing. I speak restoration in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Merci, Seigneur, pour Diksha, Seigneur. Te continue bénis-lui, te continue protège-lui, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, pour Stéphanie, Seigneur, mon Dieu, qui peut élever, Seigneur Dieu, encore, Seigneur Dieu, un étudiant devant toi, Seigneur, qui vraiment, Seigneur Dieu, te accorde la concentration à Lucas, Seigneur, pour ce révision, Seigneur. Seigneur mon Dieu, qui te garde, Seigneur Dieu, ce penser, Seigneur Dieu, dans la connaissance de qui tu es, Jésus. Qui tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui est digne de louange, Seigneur mon Dieu, qui vraiment soit l'objet de ce penser, Seigneur mon Dieu. Papa, vraiment, Seigneur Dieu, qui Lucas, Seigneur Dieu, ce penser, il est capable d'être préservé, Seigneur mon Dieu.
Et Seigneur mon Dieu, qu'il est capable, Seigneur Saint-Esprit de Dieu, qui te vienne à côté de lui, Seigneur, qui te pourra faire lire, Seigneur Dieu, te pourra aider, faire lire, rappeler tout ce qui, Seigneur Dieu, il finit réviser, Seigneur mon Dieu, et qui te donne le résultat qu'il est pour gagner, Seigneur Dieu, il est pour accompagner de ta faveur et de la grâce, et qu'il est capable de connaître, Seigneur mon Dieu, que ça vienne de toi, Seigneur mon Dieu, et que le succès, Seigneur mon Dieu, il est pour donner, il est pour attribuer, Seigneur Dieu, à la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Merci pour Lucas, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Dieu, pour Cécilia, Seigneur Lippé. Vraiment, Seigneur, demande-nous to stand in the gap, Seigneur, pour ce sœur Marie-Noël, Seigneur Dieu. Pour lui capable de marcher, Seigneur Dieu, et lui recouvrir l'usage de tous ses membres, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, pour Marie-Noël, Seigneur mon Dieu. Seigneur Dieu, nous pas, Seigneur Dieu, arrêter pour remercier toi, Seigneur mon Dieu. Nous pas finir remercier toi pour la vie de Marie-Noël, Seigneur mon Dieu, pour cela santé, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, merci, Seigneur Dieu, que de jour en jour, Seigneur mon Dieu, me prier, Seigneur mon Dieu. Seigneur Dieu, que te mettre, Seigneur Dieu, autour d'elle, Seigneur Dieu, des gens, Seigneur mon Dieu, qui pour vraiment, Seigneur Dieu, accompagne-les, Seigneur mon Dieu, pour, Seigneur Dieu, explique-les, Seigneur mon Dieu, pour enseigne-les la parole, Seigneur, et qu'il est même, Seigneur mon Dieu, la Bible, Seigneur Dieu, pour venir, Seigneur Dieu, ce compagnon de tous les jours, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur Dieu, la foi, elle est vine de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et vraiment, Marie-Noël, me prier ce soir, qu'il te capable, tanne la parole de Jésus, qu'il est vigne dans la vie et qui te capable tous les jours, la foi, l'y augmenter. Et qui vraiment te tanne la voix du Saint-Esprit, qui dit à toi, te bouger dans tes bonnes membres et qui te capable recouvrir de toutes tes bonnes membres. La restauration, l'y complète et qui te capable lever par la foi que vraiment qui vigne de la parole de Dieu. Seigneur, me remercie toi, Seigneur Dieu. Seigneur, qui te parole dire, c'est en toi, Seigneur Dieu. In him we live and move and have our being, Seigneur mon Dieu. Seigneur, me remercie toi pour la vie de Marie-Noël, Seigneur. Me remercie toi pour sa sœur là. Et Marie-Noël, le Seigneur lui dit qu'il te précieux à ses yeux. Et qui vraiment, que you are wonderfully and fearfully made. Et que le Seigneur lui pas oublié toi. Et que tu es vraiment précieux à ses yeux. C'est ce que le Seigneur lui peut dire à toi ce soir. Seigneur mon Dieu, me louez toi, Seigneur. Me bénis toi. Seigneur Dieu, pour tout dans la prière, Seigneur Dieu, qui peut monte vers toi, Seigneur. Seigneur Dieu, me prier, Seigneur mon Dieu, qui vraiment te prend plaisir, Seigneur mon Dieu, à tout, Seigneur Dieu, par une requête, Seigneur mon Dieu, parce que, Seigneur mon Dieu, tu es notre espérance. Seigneur mon Dieu, c'est en toi, Seigneur Dieu, qui nous place toute notre confiance, Seigneur. Seigneur, il n'y a aucun autre Dieu que toi. Il n'y a que toi, Seigneur Dieu, Seigneur, qui guérit, Seigneur. Qui rétablit, Seigneur. Tout l'honneur, toute la gloire, les pour toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous continuons. Élève bonne requête. Alléluia. Alléluia. Papa, ce soir, nous avons accordé avec Manisha, Seigneur, qui demande pour prier pour sa famille. Et plus tout, ben, tout. Les personnes qui ont un problème et qui, Seigneur, ce soir, comment ils peuvent demander, Seigneur Dieu, afin que toutes ces personnes capables aient une solution et qui, Seigneur, te capable guide toutes ces personnes, ce qui bizarre une direction. Papa, vraiment, nous accorder avec Manisha, Seigneur Dieu. Le désir, sa requête, Seigneur Dieu, c'est non seulement pour prier pour sa famille, mais aussi pour tous ceux qui peuvent souffrir et qui sont dans un problème. Seigneur, nous prions aussi pour ce belle-mère, Seigneur Dieu, qui est malade. Papa, nous prions ce soir que ta main guérissante soit sur elle, là que tu étais ce soir. Seigneur, comment Manisha dit, Seigneur, il est bien fatigué et qu'il est stressé. Mais Seigneur, nous prions que de la main guérissante soit sur elle, que ta main bénie soit sur elle. Seigneur, nous prions aussi, Seigneur Dieu, qui comment Manichin demandait, Seigneur Dieu, te capable de délivrer lui de tout ce bon maladie et de tout ce bon souffrance. Seigneur, nous prions aussi pour ces deux belles sœurs, Seigneur, que vraiment Manisha a envie de prier et pour cet époux et tous ces bons enfants. Seigneur, nous prions, Seigneur Dieu, que ta main bénie soit sur cette famille, Seigneur Dieu. Que Seigneur, tout le monde te connaît le désir de Manisha, Seigneur Dieu. Que toute sa famille, toutes ces personnes, Seigneur Dieu, soient bénies et qui vraiment, Seigneur, te la main, les autres. Seigneur, nous prions de la grâce, Seigneur Dieu, qui les autres la vie, Seigneur Dieu. Comment nous demander aussi, Seigneur Dieu, pour ces belles-sœurs, Seigneur Dieu, que vraiment, en projet
de terminer la case, Seigneur, la construction. Seigneur, nous prions que vraiment de la main, les autres finances, de la grâce aux autres finances, Seigneur Dieu. Papa, nous prions, Seigneur Dieu, pour Manisha même, Seigneur, qui demande, Seigneur, qu'il y ait de la grâce dans cela vie, qu'il y ait de la grâce dans ce foyer, dans ce relation avec son mari, dans ce travail, dans ce mariage. Et Seigneur, nous vraiment remettre Manisha devant toi, Seigneur Dieu, devant ton trône de grâce qui tenait un regard favorable au lit et sur son mari, Seigneur Dieu, qui te capable de guider lui et montrer lui le chemin de la vérité, comment Manisha en vit, Seigneur Dieu. Papa, nous prions aussi pour Daphné, Seigneur Dieu, qui peut faire les seuls examens en ce moment. Seigneur, nous demande-toi qui te avec lui dans son éducation. Toi avec lui pendant ces moments, Seigneur, te donne-lui, Seigneur Dieu, une bonne mémoire qui est capable de rappeler tout ce qu'il est capable d'apprendre, tous les efforts qu'il vient faire, Seigneur Dieu, il est capable vraiment exceller dans l'examen. Seigneur, nous prions aussi, Seigneur Dieu, pour la maman de Manisha, Seigneur Dieu, qui demande, Seigneur, que sa maman et son papa, ce bon frère, ce soeur, Seigneur Dieu, qui te capable bénis dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions aussi, Seigneur, pour Sylvie. Nous prions ensemble avec Chantal, Seigneur Dieu, à la demande de Chantal, que nous élève nous, sœur Sylvie, devant toi, Seigneur Dieu, afin qu'il te restaure, Seigneur Dieu, de sa fêlure, du pied qu'il a gagné. Papa, tu enlèves toute bonne douleur, Seigneur, qu'il peut endurer en ce moment, comme Chantal peut dire, Seigneur Dieu. Papa, nous accorder ce soir, qui est un Dieu de miracle, un Dieu qui réparait. Seigneur, malgré, Seigneur Dieu, qui est capable et n'a pas de fêlure dans son pied, Seigneur, ce soir, nous prions ta main guérissante, ta main puissante, qu'il y ait un miracle opéré dans ce pied, dans les pieds de Sylvie, Seigneur Dieu, qui tout, Seigneur, soit restauré. Tu bannes les yeux, Seigneur, d'y être restauré et y être guéri dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions aussi pour Percy, l'époux de Stéphanie, Seigneur Dieu, qui est une douleur, Seigneur, à l'arrière de sur la tête et qui sent-il très fatigué. Papa, ce soir, nous prions, Seigneur, à la demande, Seigneur, ensemble avec Stéphanie, Seigneur, nous accorder avec elle, Seigneur, pour élève son mari devant toi, qui te capable touche-lui ce soir même, là que tu étais, afin qu'il t'enlève toute bonne douleur, Seigneur Dieu, toute bonne fatigue, Seigneur Dieu, qui t'enlève au nom de Jésus. Seigneur, nous prions aussi, Seigneur, pour les collègues de Stéphanie, qui aient une meilleure entente, qui aient une meilleure et une solidarité et un respect entre eux, Seigneur Dieu. Papa, nous élève, Seigneur Dieu, vraiment l'atmosphère du travail de Stéphanie, Seigneur Dieu, qui vraiment est une atmosphère saine, une atmosphère qui vraiment fait bon à vivre, à travailler, Seigneur Dieu. Papa, me demande-toi qui te bénisse cette sœur, Seigneur, te connes ce l'équerre, te connes, Seigneur Dieu, sur persévérance. Mais nous prions, Seigneur Dieu, ta main bénie soit sur elle et l'autre, tout ce qu'il peut entreprendre, Seigneur Dieu. Papa, nous prions aussi, Seigneur Dieu, pour nous accorder avec Sabrina, Seigneur, qui demande pour prier pour toute bonne sœur et frère qui dans la souffrance en ce moment, qui, Seigneur Dieu, nous accorde avec elle, afin qu'il te capable de poser un regard favorable sur toutes ces personnes. Papa, nous demande-toi, Seigneur, te prends soin de tous ces sœurs et frères, Seigneur Dieu, qui, dans la souffrance, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions aussi pour Dani, Seigneur, à la demande de sa maman Marie-Jo. Seigneur, nous prions, Seigneur Dieu, qui est sur les reins, Seigneur Dieu, capable de fonctionner normalement. Seigneur, ce soir, nous prions que ta main puissante qui te pose, Seigneur Dieu, sur les reins de Dani, Seigneur Dieu. Papa, nous connaît un fin commence un travail dans son vie. Mais nous connaît, Seigneur, tu peux terminer, Seigneur Dieu, qu'il y a des miracles et des miracles qui commencent, qui peut opérer dans son vie. Et nous connaît, Seigneur Dieu, que ça l'irait là, Seigneur. Il peut être restauré, il peut être guéri dans le nom de Jésus. Seigneur, ce soir même, Seigneur, là que Daniel était, Seigneur Dieu, avec tout bon test qu'il vient faire, nous prions, Seigneur, que sur les reins commencent, fonctionnent normalement et qui vraiment, Seigneur, te devienne les reins neufs au nom de Jésus. Seigneur, nous prions aussi pour Norbert, pour son fils Jérémy, Seigneur Dieu. Nous prions pour ce travail, sur la santé et son épouse, Seigneur Dieu, comme on l'a demandé dans le nom de Jésus. Que ta main bénie soit chez Norbert et sa famille en entière, Seigneur. Papa, nous prions aussi pour ce petit-enfant, pour ce petit-enfant Noah qui souffre en ce moment. Seigneur, nous prions, Seigneur, te guéris à l'instant même. Ta main bénie, ta main guérissante soit chez Noah. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour Hassan. Hassan qui demande, Seigneur, pour prier pour la guérison de ses yeux. Et Seigneur, afin qu'il est capable de trouver clairement. Seigneur, nous prions, Seigneur, te guéris les yeux de Hassan, Seigneur Dieu. Seigneur, te connais ce désir, Seigneur Dieu. Papa, nous prions que ce soit même te touche les yeux de Hassan. Te touche-les, te guéris-les au nom de Jésus. Seigneur, nous prions aussi, Seigneur Dieu, pour
Et à la demande de Cécilia, Seigneur Semao, Seigneur qui vraiment demande une guérison pour son cancer. Papa, au nom de Jésus, nous commande sa cancer là, qu'il est capable dissoudre et qu'il sa cancer là, il arrête là même au nom de Jésus, qu'il n'est pas propagé, il n'est pas plus loin. Mais au nom de Jésus, Seigneur Dieu, nous commande sa cancer là, quitte Semao au nom de Jésus. Papa, nous dit ta merci, qui est un Dieu qui guérit, t'es un Dieu qui restaure, t'es un Dieu qui répare. C'est un Dieu qui est vraiment content de bons enfants et qui veut que tes bons enfants soient en bonne santé. Papa, nous te remercie pour ton amour, ta main puissante, ta main guérissante qui soit sur toutes ces personnes et toutes les requêtes qui montent vers toi, Seigneur Dieu. Tu veux vraiment répondre, Seigneur. Nous te remercie, Papa, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Merci, Julie. Merci pour toutes ces prières. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous remercie toi, Seigneur, pour toutes ces prières qui finement vers toi comme un parfum de bonne odeur. Ce soir, nous prions aussi pour tous ceux qui peinent capables d'envoyer une bonne requête de prières. Seigneur, nous prions là que tu étais, Seigneur, t'envoie tes paroles pour guérir ce Seigneur. Et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, quelle que soit la maladie qu'ils aient pu souffrir, Seigneur, t'enlève sa maladie là, au nom puissant de Jésus. Seigneur, de la main bénie, et repose le Seigneur. Ce soir, nous prions pour tous ceux qui n'atteignent de COVID-19, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci, Seigneur, qui te guérissent totalement et complètement, te fortifier ce système immunitaire, Seigneur, et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce virus, Seigneur, n'est pas capable de continuer, Seigneur, de déferler dans ce pays, Seigneur. Mais nous prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui porte la main puissante, Seigneur. Tu arrêtes ce virus de COVID, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Soulage, Seigneur, tous ceux qui, Seigneur, dans la souffrance en ce moment, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tous ceux qui peuvent souffrir de cancer, nous commandons, Seigneur, toutes bonnes cellules cancéreuses disparaître dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour une sœur qui, vraiment, si souvent des fois il y en a un vertige, Seigneur, nous commandons ce vertige d'y aller dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions de rétablir dans son équilibre, Seigneur. T'enlèves la peur, Seigneur, t'enlèves tout bon la peur, Seigneur. T'enlèves tout ce bon vertige, Seigneur Dieu Tout-Puissant, me prier, Seigneur, qu'il pourrait être totalement guéri, Seigneur. Te demeure, Seigneur, au centre de ce foyer, Seigneur, te bénis aussi ce mari, Seigneur, te guéris aussi ce mari, Seigneur Dieu Tout-Puissant, me prier, Seigneur, qui te rassasie de longs jours, Seigneur. Merci pour ce temps béni. Notre présence, Seigneur Dieu Tout-Puissant, me prier aussi pour tous ceux qui viennent à l'écoute ce soir. Seigneur, te donne-nous un bon sommeil, Seigneur, qui nous capable, Seigneur, repose en paix, qui demain matin nous capable de lever en pleine forme. Seigneur, te renouvelle de bonté dans nous la vie, Seigneur, dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, on arrive à la fin de ce temps de prière, à la fin de ce service de guérison. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur la page Facebook de Saint-Paul à 8h du soir, comme d'habitude. Au revoir et bonne nuit.